ici, nous sommes au château de la Collinière. Dans la réalité, c'est le château de la Ferté-Saint-Aubin. Et dans mon film, La Règle du jeu, c'est le château de la Collinière. Ce qui est intéressant, peut-être, à propos de ce film, c'est le moment où je l'ai tourné. Je l'ai tourné entre Munich et la guerre. Et je l'ai tourné absolument impressionné, absolument troublé par l'état d'esprit d'une partie de la société française, d'une partie de la société anglaise, d'une partie de la société mondiale. Et il m'a semblé qu'une façon d'interpréter cet état d'esprit du monde à ce moment était précisément de ne pas parler de la situation et de raconter une histoire légère. Et j'ai été chercher mon inspiration dans Beaumarchais, dans Marivaux, dans les auteurs classiques, dans la comédie. Ce qui s'est passé avec La Règle du jeu est ce qui s'est passé avec tous mes films, avec tout ce que j'ai écrit, avec tout ce que j'ai essayé de faire. En général, et toujours, et pendant toute la vie, je suis possédé d'une certaine idée générale. Cette idée générale est extrêmement forte, mais je ne trouve jamais, au début, le véhicule qui permettra de la transporter. Je ne sais pas comment l'exprimer, cette idée générale. Elle est là, elle est très forte, elle me possède. Mais comment lui la matérialiser, comment lui donner une forme, je n'en sais rien. Et puis alors, très souvent, quand j'ai de la chance, je trouve une petite idée purement d'intrigue, une idée purement vaudevillesque. Et par exemple, là, n'est-ce pas, j'ai eu l'idée d'essayer d'imiter une comédie de Musset. Ça, c'est l'extérieur. Et alors, lorsqu'il arrive que cette idée secondaire peut servir de véhicule à mon idée générale. Alors là, je suis très content et ça va très bien. C'est ce qui m'est arrivé dans La Règle du jeu. Une question sur le découpage, quoi, un peu des scènes. Parce que je suppose que vous n'aviez pas de découpage sur le papier. J'avais un découpage sur le papier, mais naturellement, et comme toujours, je n'ai pas pu le suivre, parce que j'ai fait des quantités de découvertes, n'est-ce pas ? Des découvertes, surtout, comme toujours, par l'intermédiaire des personnages. Les personnages sont devenus plus vivants et m'ont affirmé leur nécessité de se bouger et de parler d'une façon que je n'avais pas prévue. Alors, comme les liens sont assez difficiles, étant donné qu'il y a beaucoup de personnages, et moins de plans qu'il ne paraît, mais tout de même un certain nombre de plans. Alors, ce que je faisais, c'est d'avoir un petit plan sur un petit bout de papier, sur une feuille de carnet, et de marquer les endroits où j'avais oublié mes personnages, de façon à ce que je sache où les resituer dans un plan suivant. Remarquez que pratiquement je ne regardais pas ce plan, on n'a pas besoin de ça, on se souvient. Mais le premier découpage que vous aviez fait était plus statique, parce que c'était quand même fait sur l'entrelacement. Non, il n'était pas plus statique, il était plus compliqué. Je n'avais pas encore adopté une méthode que j'ai adoptée plus tard, qui est d'avoir beaucoup de voix hors champ et d'avoir énormément de réflexions qui sont faites par des gens aux besoins assez loin, qui nous parviennent quelquefois, pas toujours, quelquefois on les entend pas, mais ça n'a pas d'importance. Autrement dit, en tournant, j'en suis arrivé à m'occuper beaucoup plus d'une certaine ambiance que de la précision des dialogues et des personnages. Je me suis absolument attaché à garder hors de cette espèce de désordre, à garder les personnages principaux, n'est-ce pas, et à les faire ressortir. Mais lorsque j'avais écrit un premier découpage, tout ceci était avec des plans séparés et trop précis. En traitant cela, remarquez, j'ai pas beaucoup de plans généraux, mais j'ai énormément de gens que je montre à l'arrière-plan, et ce qu'ils font à l'arrière-plan compte aussi. Alors le public attrape ce qu'il peut, mais je crois que ça donne assez bien cette impression de désordre que nous recherchions.
Cette impression de foule, de gens qui se retrouvent, qui vont, qui viennent, et qui n'ont pas une position déterminée par rapport à la caméra. Voilà ce qui me préoccupait beaucoup dans cette scène que nous venons de voir. C'était l'unité. Je voulais qu'on ait l'impression qu'il y ait eu un seul plan suivant les gens et qu'il n'y ait pas eu de découpage. Oui, c'est-à-dire que c'est une profondeur de champ à 360 degrés. C'est une profondeur de champ, j'ai fait 13... Oui, pour ça, nous avons, avec Bachelet, nous avons commandé des objectifs spéciaux, des objectifs très lumineux, mais cependant, nous donnant une certaine profondeur, de façon à ce que nous puissions garder nos arrière-plans dans presque toutes les circonstances. Et à propos d'arrière-plan, permettez-moi une petite diversion. Je viens de revoir le plan où la maîtresse de la maison explique son aventure avec l'aviateur, n'est-ce pas, et où elle explique la part qu'elle a prise dans son exploit. Et en arrière-plan, j'ai mis Dalio et moi-même. Nora Gregor expliquant en premier plan, tout un, et en arrière-plan, j'ai dit à Dalio, nous allons nous amuser, nous allons faire le contrepoint de cette scène. Et cela nous donne le spectacle de deux cabotins, Dalio et moi, nous livra une série de grimaces absolument infâmes, mais que je trouve très drôle. Mais c'était pour avoir le contrepoint entre le côté un tout petit peu trop sérieux que prend la scène avec Nora Gregor et au contraire. Et puis on veut voir le visage de Dalio quand même, en ce moment-là. Oui. On a envie de voir... Oui, mais tous les deux là-derrière, nous nous en payions, on s'est laissé aller. Et puis je ne pouvais pas me retenir, étant donné que je n'étais pas de l'autre côté de la caméra pour voir mon jeu. Je crois que si j'avais mis en scène cette scène, je ne me serais pas permis de faire ça. C'est dommage. Je ne sais pas. Et le fait de jouer à l'intérieur, de jouer dans le film, vous ne posez pas des problèmes? Vous pourrez régler la mise en scène et puis... Je réglais la mise en scène, puis je passais de l'autre côté. Remarquez, étant donné que tous les personnages se tiennent très étroitement dans ce film, en mettant en scène les autres, je me mettais en scène moi-même. Je devenais une sorte de complément des autres. D'ailleurs, ce personnage, mon personnage, est un complément des autres personnages. C'est une espèce de bouchon qui vient s'appliquer à différents goulots de bouteille. C'est une espèce de, je ne sais pas, de cale avec laquelle on cale des meubles. Alors, je mettais en scène les meubles d'abord, et quand il y avait un pied bancal, j'ai introduit la cale, c'est-à-dire moi-même. Becky, tu aimes la chasse? Oh oui, madame. Et vous? La grande question qu'on se pose quand on... Enfin, une des questions qu'on se pose quand on voit la règle du jeu, et c'est peut-être une des choses qui ont gêné les spectateurs à l'origine, si on se demande, disons, quel est le personnage principal de la règle du jeu? Est-ce que c'est Dalio? Est-ce que c'est Nora Gregor? Est-ce que c'est Roland Toutain? Est-ce que c'est Octave? Quel est le personnage principal? Finalement, moi, je pense qu'il n'y en a pas. Mais ce que je voudrais, c'est... Non, je suis d'accord avec vous, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et pendant que je tournais, de temps en temps, je me disais, c'est un tel ou c'est un tel. En réalité, je n'en savais rien. Et c'est un des rares cas dans mes histoires de tournage de films où la conception que j'avais au départ, c'est un détail d'ailleurs ça, mais la conception, mes conceptions relatives à ce détail se sont trouvées confirmées, à savoir qu'il s'agissait d'un film d'ensemble, d'un film représentant une société, un groupe de personnes, et non pas un cas personnel. Parce que, je l'ai peut-être oublié quelquefois pendant le tournage du film, mais à l'origine et à la fin, lorsque je me suis trouvé devant tout le matériel pour le montage, à la fin, j'ai à ce moment-là retrouvé ma conception primitive, je voulais dépeindre une société, je voulais dépeindre un groupe de personnes, j'étais même assez ambitieux, je voulais dépeindre presque toute une classe. Et vous n'avez pas cherché à avoir un centre par sécurité? Je l'ai peut-être cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je pense que je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Tel que c'est maintenant, le film a l'air assez bien équilibré. Mais je crois que j'avais constamment des doutes en me disant « Mais peut-être que je devrais pousser plus sur tel personnage et ça me ferait une espèce de pylône auquel s'accrocher, n'est-ce pas, une sécurité. » Et puis, je crois qu'avec ce sujet, ça n'était pas possible.
Le sujet était plus fort que moi. D'ailleurs, vous savez, quand on est devant un bon sujet, et la règle du jeu, c'est un bon sujet. Quand on est en face d'un bon sujet, le sujet vous boulette, et on ne fait plus ce qu'on veut. On est attiré et on tourne malgré soi des quantités de choses qu'on n'avait jamais prévues parce que c'est ça, et parce qu'elles appartiennent au sujet. Non, remarquez, j'aime me laisser absorber, mais là, dans la règle du jeu, je me suis laissé absorber complètement par le sujet. Aussi, évidemment, par tout ce qui renforçait le sujet, comme les acteurs, qui étaient extraordinaires et qui étaient tout à fait dans le bain, dans cette auberge où nous sommes allés ensemble. Nous vivions là, nous étions loin de Paris. C'est très important d'être loin de Paris pour une histoire comme ça. On oublie un petit peu toutes les petites histoires. D'où les petites histoires naissaient dans la troupe. Mais c'était très bon. C'était excellent. Donc nous étions vraiment coupés du monde. Et toute cette ambiance, les acteurs et le paysage, et aussi le sujet, comme je vous l'ai dit, finalement, m'ont boulotté et m'ont fait faire des quantités de choses que je n'avais jamais prévues. Et puis on a l'impression aussi que dans les scènes, on ne peut pas trouver, on peut pas dire là, voilà la scène clé, je ne crois pas. Il y a peut-être, plutôt ça serait, je ne crois pas, il y a sûrement un centre quelque part, mais on n'a pas l'impression, on ne peut pas dire c'est la scène. Non, en tout cas, s'il y en a, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, et étant donné que j'ai fait le film, je crois que ceux qui n'ont pas fait le film ne le connaissent pas non plus. Non, je ne crois pas qu'il y ait un centre. Remarquez, dans La Chienne, par exemple, dans La Chienne, tout le temps, je travaillais pour le moment où Michel Simon tue Jeannie Marais. C'est vraiment le centre du film. On peut dire que j'ai conçu ce film en le divisant en deux parties, ce qui est avant ce meurtre et ce qui est après ce meurtre. Et mais là, pas. Non, là, tout. Écoutez, les scènes que nous voulons voir sont symboliques de tout le film. Parce que on papillonne, on suit l'un, on suit l'autre, on a une impression d'ensemble, on a des personnages qui passent, qui viennent, qui disent une futilité. Talazac dit « Est-ce qu'on finit le bridge ?» Un autre dit « J'aurais rendu bridge », un autre dit « J'aime pas le Selmar hein, » ou « J'aime le Selmar enfin, ». On dit n'importe quoi. On dit n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. J'espérais que ça finirait par faire un ensemble et je crois qu'en partie, mon espoir s'est réalisé. Oui, c'est-à-dire que si on fait tout à coup attention à une phrase qui a l'air insignifiante, elle prend une importance. En tout cas, il y a une chose certaine, c'est que la raison pour laquelle je m'en suis tiré, c'est à cause des acteurs. Chaque acteur est entré dans son personnage, et en réalité, quand je leur demandais de venir sur le plateau pour tourner une scène, ils avaient suivi le travail avant, ils étaient dans le bain, ils n'ignoraient pas ce qui se passait. Et ils étaient le personnage complètement. J'avais de temps en temps l'impression que je n'avais qu'à m'asseoir et à regarder les gens tourner et que je n'avais pas de direction à donner, tellement ils étaient dans le bain. Bonjour Lisa. Bonjour Edouard. Ça va? Oui, ça va. Ah, enfin te voilà. Oh, Octave, comme c'est gentil. C'est gentil à toi. D'être revenu me voir après une si longue absence. Oh, bah tu vois. Pas trop court, maturé. Ça va? Après ces 25 années. Oui, hein. Bon, tu vois, je me suis acheté des lunettes noires. Tiens, tu te souviens des autos, là? Oh, qui arrivaient? Ah, hein? Oui, c'était. T'as de la haie? Ma de la haie. T'as de la haie? Oui. Et la pluie? Et la pluie. Là, oui, c'est oui. Pas moi qui avais fourni la pluie. Non, c'est moi. Tu sais, il y a une chose qui m'impressionne ici. Je m'aperçois tout à coup que je connais très bien la terrasse. Et comment? Évidemment, puisque je suis chez moi. Tu es chez toi? Je suis chez moi, mais le marquis de la Chênaie est chez lui ici, et Dalio aussi. Et Dalio aussi. Alors, cher Jean, il y a une chose qui m'étonne. C'est de voir ces deux ailes-là qui sont devant. Et je m'aperçois que tu as été à l'économie. Tu ne t'es servi que de certains endroits, de certaines parties du château. Oui, bien sûr. C'est ça que tu vas m'expliquer, parce que tout d'un coup, je me dis, ça, c'est joli pourtant. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en est pas servi de ces deux belles ailes? Pour une raison très simple, c'est que nous ne faisions pas un documentaire sur ces bâtiments. Nous faisions un documentaire sur le marquis de la Chênaie. Joué par Dalio. Et ces ailes ne pouvaient certainement pas me donner la réplique. Non, d'ailleurs, je n'avais rien à y faire. Oui, d'abord. Et puis ensuite, je suis convaincu que les paysages, ça ne sert à rien sur l'écran. Les paysages ne comptent pas. Ce qui compte, c'est l'aide qu'ils apportent aux acteurs et aux metteurs en scène pour entrer dans une certaine atmosphère. Mais c'est juste ce que tu dis, parce que moi, j'ai fait du théâtre,
non pas à cause des vrais châteaux, de la réalité. J'ai fait ça à cause des toiles, des châteaux peints. Et ça, j'étais très ému en voyant ces châteaux peints sur scène dans les vieux mélos de mon enfance. D'ailleurs, ajoutant qu'un château peint peut être beaucoup plus vrai qu'un château peint. C'est juste. De quoi pourrions-nous bien parler, cher Jean? Nous pourrions parler de la chance que nous avons eue de trouver, avec ton personnage, un personnage fluide. Un personnage qui ne sait pas très bien lui-même ce qu'il veut. Un personnage qui ne sait pas si ce qu'il y a d'important dans sa vie, ce sont les jouets, les petites poupées animées, ou le bel orchestrion de Limonaire, ou bien si c'est sa femme, ou bien si c'est son amitié, si c'est Octave. Alors le public se le demande aussi, ça les occupe, tu comprends? Ils collaborent, ils deviennent auteurs, ils complètent le personnage. Ils vous donnent la réplique, ce qu'ils devraient toujours faire d'ailleurs. Toujours. Et alors ça nous évite de montrer de ces personnages taillés dans le roc, étouffés, qui savent ce qu'ils veulent, qui ont une direction fixe, qui ont un but dans la vie. Tu n'as pas de but dans la vie, et je crois que c'est ça qui nous a terriblement aidés. En tout cas, la façon dont tu l'as fait, c'était fantastique. Tu es tout à fait gentil, mais justement, alors, à ce propos, on m'a toujours demandé pourquoi tu m'avais choisi, moi, qui sortais plutôt de personnage burlesque, de traître, même de Rosenthal. Et ça les a toujours surpris, comme si un marquis ou un comte avait un visage particulier. Peut-être l'ont-ils à travers les revues, à travers la convention. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas l'air d'un marquis? Explique-moi ça. Eh bien, d'abord... Les cheveux frisés ou quoi? Un air oriental? Il y a des marquis qui ont l'air oriental. D'abord parce que je crois que c'est toujours une très grande aide au cinéma, ou quand on écrit quoi que ce soit, de prendre la contrepartie de la convention. Tu étais le contraire de la convention. Et puis je vais te dire une chose, je procède toujours par souvenir. Je n'ai pas grande invention, mais j'ai une bonne mémoire. Et j'ai connu autrefois des gars de l'aristocratie qui étaient comme toi. C'est gentil pour moi, j'en suis ravi. Oui. Et puis autre chose, ton personnage, je le connaissais très bien, tu comprends. Et toi aussi, tu l'as connu. Tu l'as connu à fond, tu es rentré dedans. Je l'ai connu petit à petit, il faut bien dire. D'accord, mais... Suis né, si tu veux, ici. Et en 6 semaines, je suis devenu le marquis de la Chênaie qu'on connaît maintenant. Oui, d'accord, mais nous le découvrions ensemble au fur et à mesure. Ce qui m'a passionné dans cette histoire-là, et ce qui me passionne encore dans mon souvenir, c'est que nous avons fabriqué et ton personnage, et toute l'histoire du film, puisqu'elle est autour de ton personnage, nous l'avons fabriqué au fur et à mesure. Nous n'avons pas suivi de plan. Tu vois, ce que je crois mortel à notre époque, c'est le plan. Tu sais, le bleu, avec des lignes blanches. Oui. Le plan d'architecte. Oui. Tu sais que les architectes sont les gens les plus inférieurs de notre époque. Ça ressemble aux bâtiments que nous voyons sur nos routes maintenant. Exactement. Pas vivables. Pas vivables. Exactement. C'est bien fait, pourtant. Ce sont des ingénieurs diplômés, primés. Le marquis de la Chênaie n'a pas été fabriqué par des travaux d'ingénieurs. Il a été fabriqué avec des souvenirs. Et des marquis de la Chênaie, j'en ai connu plusieurs. Dis donc, tu te souviens le plan devant le Limonaire? Oui, ça, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal. J'étais assez honteux d'être obligé de reprendre ce plan. Et je me disais pourtant, c'est simple, je vais venir devant le Limonaire et puis avoir l'air joyeux. Eh bien, je ne l'ai réussi peut-être qu'en 2 jours, ce plan. Je me souviens, tu l'as refait. Là, mais quel lendemain. Plan, hein? Oui, il me semble tel que c'est qu'il est maintenant. Enfin, on me le signale souvent. Moi, je crois que c'est le meilleur plan que j'ai fait dans ma vie. C'est fantastique. Le mélange d'humidité et d'orgueil, de réussite et de doute. Pas de rien de défini. En marge de beaucoup de choses. Oui. Tu as raison, parce que nous, acteurs, on a souvent besoin de mots, tu comprends, pour nous équilibrer et un peu par paresse, parce que nous manquons de courage. Ça nous sert de béquille, les mots, comprends-tu ? On sait quoi faire de nos mains, de nos jambes, de nos yeux. Mais là, tout d'un coup, être surpris, il faut une naïveté ou du génie. Comme je n'ai pas de génie, mais
Tu as du génie, et la preuve, c'est que tu l'as fait. Tu l'as fait. C'est après le temps, mais tu l'as fait. Tu l'as fait parce que ça n'était pas... Je me rends compte qu'au départ, je me trompais. Au départ, je me trompais. Je croyais que ça pouvait être un plan improvisé. Ça ne pouvait pas être un plan improvisé. Non, fallait le travailler. On l'a travaillé en tournant et en retournant. C'était le résultat de toute une vie, de sa vie en tout cas. Voilà. La vie de la Chaimec. C'est presque un amateur. C'était un amateur. Oui. En tout. Un amateur en tout. Un amateur génial. Il y a un personnage qui est particulièrement mystérieux quand même, je trouve, dans le film. Ça m'a frappé en le revoyant il y a deux jours, parce que Rocave ou même Dalio est un personnage complexe, un personnage clair. Il y a un personnage qui est vraiment assez opaque, c'est le personnage de Christine. Vraiment, le personnage dont tout du long, il est impossible de savoir ce qu'elle est, ce qu'elle pense, ce qu'elle veut. Mais il est probable qu'elle ne le sait pas elle-même. C'est celui sur lequel on se pose le plus de questions, en lisant. Oui, bien sûr, parce que sa logique est tellement claire, ce qu'elle dit est tellement simple, est tellement direct, que étant absolument clair et transparent, ça finit par paraître mystérieux. Mais je crois que tous les êtres absolument simples et directs sont comme ça, ils paraissent mystérieux. On se dit, mon Dieu, il a dit, il pleut, ça doit gâcher quelque chose. Pas du tout, ça veut dire qu'il pleut. En réalité, elle ne le dit pas, on ne le montre pas, je n'ai aucun plan expliquant ce sentiment, mais je crois que cette femme est en train d'être brusquement mise en face de certaines réalités de la vie et des réalités qu'elle ne trouve pas belles. C'est une femme qui, bien que n'étant pas toute jeune, était probablement assez innocente, et c'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup d'avoir une Viennoise pour jouer le rôle, assez romantique. Et brusquement, son romantisme, l'amour pur, l'amour éternel, les promenades au clair de lune en se tenant la main, ça, brusquement, s'est remplacé par une réalité beaucoup plus brutale, par le besoin purement physique d'être bousculé sur un canapé et de faire l'amour, ou plutôt de la bousculer sur un canapé et de faire l'amour avec elle, qu'elle lit chez ce monsieur, chez les autres, chez les gens qui lui courent autour. Et probablement que ça n'était pas ça avec Dalio, probablement que ça n'était pas ça avec Toutain. Mais ce soir, c'est ça. Ce soir, cette fête est une espèce... Cette fête que j'ai essayé de faire un peu irréel, cette fête est une ouverture à la réalité pour Christine. Et de là, immédiatement, c'est un changement, ça détermine un changement de conduite complet chez elle. Puisque la vie est comme ça, allons-y. Et je vais faire l'amour avec le premier venu. Je ne l'aime pas, mais je fais ça puisque la règle est comme ça. Eh bien, je vais l'appliquer, la règle, et plus que les autres encore. Et il y a quand même dans le film un moment où Christine a la révélation de cette règle. Et c'est pourquoi, quand peut-être y a-t-il quand même un centre à ce film, moi j'ai l'impression qu'il y a un centre, c'est la lorgnette. Ah, bien sûr. Oui, mais néanmoins, je crois que le personnage de Christine, c'est le personnage d'une femme innocemment romantique, une romantique attardée. Elle représente, dans cette société de gens de notre époque, ou tout au moins de l'époque à laquelle je l'ai tournée, elle représente un personnage embué de romantisme attardé. Elle n'est pas de leur époque. Et elle est une étrangère aussi. Alors brusquement, cette étrangère découvre une réalité qu'elle trouve très laide. Et j'ai essayé de l'exprimer dans plusieurs plans. Je ne lui ai pas fait dire, mais j'espère qu'on peut le deviner, qu'on peut le voir. Mais oui, il faut revenir au plan de la lorgnette. Le plan de la lorgnette se situe à peu près au milieu du film. Oui. Et ensuite, c'est un plan qui détermine, c'est le plan à partir duquel on entre dans l'action. À partir de ce moment-là, il va se passer des choses. Avant, c'était une sorte de gigantesque exposition. Oui, oui. Hein, les rapports entre les personnages. Là, L'action n'était que dans la progression de situations déjà existantes. Tandis qu'à partir de maintenant, les situations vont changer, les situations vont évoluer. Les situations vont évoluer dans la mesure où justement Christine
tourne. Dans parce la maison, que si elle ne tournait pas, il n'y aurait pas de raison que ça ne dure pas encore. Donc elle tourne par rapport à ce plan. Elle a vu dans la lorgnette. Absolument. La mais tout ceci correspond à ma profonde conviction de l'importance de l'environnement. Je crois que les gens tournent, changent, évoluent avec l'évolution de ce qu'il y a autour d'eux. Et je crois que là, nous avons, si nous suivons le personnage de Christine au milieu de tous les personnages que j'ai essayé de montrer sur l'écran, si nous attachons spécialement à Christine, je crois que nous voyons un personnage très clairement influencé par l'entourage, par ce qui se passe autour d'elle. Hier, nous parlions rapidement comme ça de cette lorgnette, et vous nous aviez dit que c'était quasiment improvisé comme ça. Ah, ça l'était complètement. C'est seulement les improvisations qui correspondent à ce qu'on a en tête. En réalité, dans un film comme celui-là, 50% du film est improvisé. Mais c'est improvisé, c'est une improvisation qui correspond à ce que j'avais profondément en moi. Autrement dit, le sentiment général n'est pas improvisé. Les manières de l'exprimer sont très souvent improvisées. Oui. C'est-à-dire que ces jumelles ne se seraient pas présentées. Il y aurait eu autre chose. Je ne sais pas quoi. Les jumelles étaient merveilleuses. Il y aurait eu le plan, quand même, du baiser. Peut-être ailleurs, peut-être autrement, mais il y aurait eu certainement la révélation à Christine que son mari et Parelli ont des relations et que le monde n'est pas du tout ce qu'elle croit, que le monde n'est pas beau. Remarquez qu'elle-même, s'est laissée aller probablement très près de Jurieu, de tout un. Mais étant donné que c'est une romantique, les romantiques sont aveugles, n'y voient pas, et probablement elle l'oublie, ça. Elle l'oublie, mais le fait que son mari a alors des relations, ce qui probablement la choque, c'est le côté... Immédiatement, elle devine que les relations de son mari et de Parelli sont absolument matérielles. Je crois qu'elle le devine, ça. Ce en quoi elle se trompe, d'ailleurs. Parce que chez Dalio, il n'y a rien de matériel. C'est aussi un sentimental. Tous ces gens-là sont des sentimentaux, comme toute cette société-là. Comme tous les gens, comme tous les gens qui se laissent aller à leurs instincts et ferment les yeux sur le monde, ce sont des sentimentaux. Mais cet aspect comme ça, un peu mystérieux et ambigu des personnages, est-ce que il s'est donné d'emblée à vous, ou bien est-ce que par exemple au départ vous aviez des personnages que vous aviez très typés et puis que vous avez après gommé pour les rendre? J'avais des personnages que j'avais très typés et que j'ai gommés. Remarquez, la Christine du départ n'était pas comme ça. Il y a une chose qui m'a très terriblement influencé et aidé. Et c'était pourtant la raison qui m'avait poussé à lui demander de jouer ce rôle. C'est son accent. J'avais l'impression que cet accent était la petite barrière, le petit rideau qui la sépare de cet entourage. De cet entourage purement français. Oui. Autrement dit, votre projet, si vous voulez, est-ce qu'il y avait des adjectifs très précis disant Christine, elle est comme ci, comme ci, comme ci, comme ça? Non. Non. J'avais ces adjectifs en tête, mais je ne les ai jamais écrits. Je ne les ai jamais mis sur le papier. En réalité, j'avais le sujet tellement en moi, tellement profondément en moi, que je n'avais à écrire à peu près que l'intrigue, que les mouvements, de façon à ne pas me tromper. Mais le sens des caractères et le sens de l'action, et surtout le côté symbolique du film, c'était quelque chose que je portais en moi depuis longtemps, et j'avais très envie depuis très longtemps de faire une chose comme ça. De faire une chose mettant en scène une société riche, complexe, et... Vous savez, quel est un mot historique qui m'a amené peut-être à faire ce film? Un mot historique, je crois que ça a été prononcé sous Charles X, et j'ai oublié qui l'a dit, un général, ou un avocat, ou un poète. C'est « Nous dansons sur un volcan ». J'aurais voulu... Mon ambition en commençant ce film était d'illustrer « Nous dansons sur un volcan ». Mais est-ce que les métaphores comme ça qu'on voit dans le film maintenant, ou le côté symbolique, disons, est-ce que par exemple la mort du lapin, le parallèle entre la mort du lapin et la mort de Jurieux, etc., est-ce que c'était très, très net? Oh, ça, écoutez, c'est trop net pour ne pas être voulu. C'est évident. Maintenant, j'ai eu l'idée de la mort de Jurieux telle qu'elle est faite. Jurieux était condamné dès avant que je commence le film. Mais l'idée de le faire mourir comme il meurt, m'est venu de la mort du lapin.
C'est-à-dire que vous aviez filmé d'abord, puisque... Que j'avais filmé d'abord. Dans mon idée, toute la chasse primitivement préparait la mort de Jurieu. Jurieu, c'est l'innocent. L'innocence ne pouvait pas vivre là-dedans. C'est parce que c'est un monde romantique et pourri. Il se trouve qu'on a affaire à deux êtres extrêmement innocents, elle et lui, Christine et Jurieu. Il faut un sacrifice. Si on veut continuer, il faut en tuer un. Le monde ne vit que de sacrifices. Il faut tuer des gens. Il faut tuer des gens pour apaiser les dieux. Et là, cette société va continuer encore quelques mois jusqu'à la guerre et même plus tard. Et cette société va continuer parce que Jurieu a été tué. Jurieu est l'être que l'on a sacrifié sur l'autel des dieux pour la continuation de ce genre de vie. Oui, de même que c'est la mort du lapin qui fait qu'on continue à chasser. C'est la mort du lapin qui fait qu'on continue à chasser. On passe sa vie à vivre de sacrifices. Le monde ancien et le monde moderne encore plus tue beaucoup dans l'espoir que cette tuerie...